Salut, tutoriel Microbit à propos des robots. Qu'est-ce que c'est un robot? Quelles sont les composantes des robots? Et bien sûr, le codage d'un robot très simple pour lui donner une mission très simple. D'abord, qu'est-ce que c'est un robot? Une machine, pour être un robot, il faut répondre à trois conditions. D'abord, la machine doit être capable d'obtenir de l'information sur son environnement à l'aide, bien sûr, de un ou plusieurs sensors. Deuxièmement, il faut que la machine soit capable de faire un calcul, de faire des calculs, de faire des opérations mathématiques à partir de l'information qu'elle a retenue de son environnement. Et la troisième chose, c'est qu'une machine doit être capable de répondre ou de réagir à son environnement en utilisant les données obtenues par ses sensors. Donc, un robot, ça fait trois choses. Ça obtient de l'information de son environnement, ça fait des calculs et ça réagit. Si on prend l'exemple de mon petit robot que j'ai construit ici, hein, on pourrait dire que c'est le modèle 1 pour le parascolaire, parce que en fait, c'est peut-être le modèle 2. Le modèle 1, ça aurait été le modèle avec la plateforme Arduino. Mais pour la plateforme Microbit, c'est vraiment mon modèle 1. Donc, deux morceaux de polycarbonate collés ensemble avec un glue gun. Les moteurs sont aussi collés avec un glue gun et c'est intéressant parce que lorsque vient le temps de décoller les moteurs, ça ne les endommage pas. Et ça s'enlève relativement, c'est relativement facile de les enlever. Et ça tient quand même la route, les moteurs ne décrochent pas pendant qu'on s'en sert. Et pour les roues, ben, vous voyez, j'ai fait un bloc en bois avec des broches de métal que j'ai rentré tout simplement comme ça avec des couplings. Donc, un robot, les éléments du robot, ben, bien sûr, ça prend un châssis. Mon robot a un bloc pile. Ici, un bloc pile de 5 volts. J'ai aussi le Robot Motor Shield. Microbit Motor Shield de la compagnie Keystone. Il y a différents modèles, différentes compagnies qui en font avec plus ou moins d'options. J'utilise celui-ci en particulier parce que je crois qu'il venait gratuitement avec un ensemble de sensors ou je l'ai acheté à part. Mais bref, bon, si on veut faire un robot avec des roulettes, c'est le Shield qu'il nous faut chez la compagnie Keystone, bien sûr. Et on a notre capteur. Et si tu as regardé les vidéos que j'ai fait sur la chaîne avant, la vidéo que tu regardes présentement, ou si tu es tout nouveau sur la chaîne aussi, je t'invite à regarder les vidéos précédentes à propos des sensors. Tu te rappelles, j'ai parlé dans les activités de parascolaire ou dans mes vidéos aussi qu'un sensor, c'est un robinet. Donc, de ce côté-ci de le robinet, il y a toujours une pression d'eau, ça pousse toujours d'une façon constante. Et de l'autre côté, on a la sortie. Et ici, on a une valve qui contrôle. C'est un facteur externe qui fait bouger la valve. Bon, là, c'est ma main qui fait bouger la valve, mais ça pourrait être face de pie, comme face de pie qui fait bouger la webcam présentement. Donc, c'est une valve. En électronique, nos sensors, par exemple celui-ci qui sert à détecter le niveau d'humidité dans le sol, c'est une valve aussi. Alors, avec le fil rouge, avec le 3,3 volts, on a l'entrée. Avec la grande, on a la sortie, comme sur notre robinet ici. Et le fil jaune ici, c'est signal. Et on va se servir de la pin 10 sur Microbit pour connecter notre petit œil d'espion. Donc, sur Microbit, c'est la pin numéro 10 qui va être notre œil d'espion qui va nous dire qu'est-ce qui se passe dans la valve. OK? Fait que c'est tout simplement une valve. C'est un robinet. Un sensor, c'est un robinet. Ça revient à dire que les robots, on apprend un robot, on attache des robinets, des valves, des sensors pour obtenir l'information sur l'environnement. Et si tu regardes, c'est au cas où que tu n'aurais pas regardé les vidéos précédentes, quand une machine nous donne de l'information à propos d'une valve comme celle-ci, s'il n'y a aucun courant qui circule, elle va nous dire zéro. Et si le courant circule très, très facilement dans la valve, il n'y a rien qui l'empêche, la machine va nous dire 1023. Et on va aller regarder maintenant un peu plus proche l'installation. C'est tout à fait simple pour le robot. Et c'est des morceaux que tu peux acheter aussi en ligne pour relativement pas cher. Contrairement au kit de robot où tu as déjà tout, mais ça va te coûter 75 $, 80 $, 100 $. C'est peut-être moins cher d'acheter les morceaux séparément, d'acheter les roues et de faire des roues soi-même avec un bloc en bois, des morceaux de broche. Ça fonctionne très bien. Le reste, les morceaux de polycarbonate, ça pourrait être aussi des morceaux de carton, ça pourrait être un morceau de plastique, ça pourrait être une bouteille de plastique même sur laquelle on viendrait coller des moteurs et ainsi de suite. Donc les robots, c'est pas obligé d'être cher. On le fait surtout pour la partie apprendre, hein, à coder. Et sur le robot, mais on a le Motor Shield. Microbit connecté directement dans le Motor Shield qui va prendre son courant dans le Motor Shield aussi. Et j'ai un bloc pile juste ici de 3. Ben, en fait, il nourrit 5 volts pour nourrir les moteurs et le Microbit. Et on va aller voir dans le code.
Right now, let's go check the code. OK, donc le code pour activer notre robot. Il y avait déjà un qui s'appelait Robot, sur lequel j'avais travaillé. Et on va compter toujours dans le code, dans la partie on start. Et peut-être faire un petit son par le buzzer, vérifier que le buzzer fonctionne. Alors ça load. Et c'est long à loader justement. Pour faire des vidéos pour ma chaîne, c'est un programme qui convient mon ordinateur, hélas. C'était super long à démarrer. Encore plus long que d'habitude. Parfois, on fait une mise à jour et puis ça donne le goût de revenir à des anciennes versions. On dit que c'est long. Okay. Donc, au démarrage, comme toujours, la première chose qu'on veut, c'est une information qui nous dit qu'on veut voir visuellement que le microbit reçoit du courant. Donc, dans le OnStart, je vais tout de suite placer un bloc Show Icon. Ça va être la première chose. Et le temps qu'il clignote, je vais avoir le temps de le voir clignoter. Donc, j'ai pas besoin de mettre une pause. Tu peux mettre une pause avant ton clear screen si tu crois que tes yeux ne seront pas assez rapides pour le détecter. Mais tu peux tout simplement mettre une icône ou une icône show LEDs. Au lieu de show icon, ça revient à peu près à la même chose. Show icon, c'est des icônes déjà pré-mâchouillées. Et après ça, on met un clear screen. Et pour utiliser le Motor Shield de la compagnie Key Studio, je ne peux pas garantir pour les autres, mais pour ce Motor Shield, dans ton OnStart, tu vas mettre la Digital Write Pin. OK. Donc, pour utiliser les pins, il faut aller dans la section Advanced, qui est juste au centre, et on descend, il y a une section rouge foncé qui s'appelle Pins. Et dans la section Pins, le deuxième bloc qui dit Digital Write Pin. Donc, je vais choisir la pin 14 dans le choix. Le menu, voyons, face de pie, va jouer dehors. Alors, on va prendre la pin 14 et on va la mettre à 1. Donc, digital, c'est soit 0, ça veut dire pas de courant du tout, ou soit 1. Donc, je crois que c'est avec la pin 14 qu'on actionne, qu'on met en place, si on veut, le shield, qu'on dit au programme, attention, utilise le shield pour contrôler les moteurs. Donc, pin 14, il faut la mettre à 1. Maintenant, dans le forever, on va lui demander de créer... D'abord, on va créer une variable. Allons voir nos variables et on fait une variable qui s'appelle humidité. Donc, dans ton forever, set humidity to, et on va aller chercher dans pins, analog read pin. Et on va mettre pin 10. OK? Donc, dans pins, tu vas prendre la troisième bulle, analog read pin, et tu vas aller changer ton 0. Dans le menu, ils vont mettre 0. Enlève le 0 et prends, disons, 10. Analog read pin. Et ensuite, on va demander à notre microbit de nous dire c'est quoi la valeur de cette variable. Donc, show number. Et quel est le number que je veux voir? Je vais aller dans variable. Ouais, face de vie, il va jouer dehors, face de vie. Et la variable que je veux voir, c'est humidité. Oh, petite face de pie. OK, donc pour toujours, je veux établir la variable humidité comme étant la lecture de la pin, lecture analogue de la pin 10. Et après ça, tu vas me montrer le chiffre humidité. Et on upload sur le microbit. Donc, je suis tout de suite prêt à connecter mon super microbit. Je ne le brancherai pas tout de suite dans le robot parce que j'ai déjà l'ancien programme. Je ne veux pas que le robot se mette à courir sur ma surface de travail ici. Et c'est le moment d'uploader le programme tout de suite. Donc, on crée une variable qui s'appelle humidité. Et pour toujours, il prend la mesure de la pin 0. Et vous me donnez l'information. Qu'est-ce que ça donne? Il va établir la variable comme étant cette information. Donc, j'essaie d'uploader. Et après ça, on va mettre le microbit dans le shield. Connecter notre sensor. Et calibrer notre sensor. On veut savoir c'est où son minimum et c'est où son maximum. Patience, 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 patience. Patience, patience, patience. Save. Bon. Alors voyons un peu maintenant. C'est en train d'uploader. Je vais tout
Je vais te le mettre dans le shield. Et notre shield, bon, là, il va nous donner l'information. On est à, encore une fois, 299. 299. 301. Bon. Et si là, on met le sensor dans l'eau, on le met dans l'eau, qu'est-ce qu'il va nous dire? Attendre qu'il rafraîchisse son information, là. Quand on est dans l'eau, 392, 396. Et quand on sort de l'eau, qu'est-ce que ça nous donne? Quand on sort de l'eau, ça nous donne 300, 322. Je vais essayer de débrancher ici. Donc, on voit que le capteur, quand il est dans l'eau, oh, on descend encore, 283. Donc, on voit que quand le capteur était dans l'eau, il nous donnait presque 400. C'est bien ça. Et quand il est dans le sec, il tourne autour de 300. On revérifie encore en le mettant dans l'eau. Donc, dans l'eau, on a 395, 390... 387. On est toujours au-dessus de 380 quand on est dans l'eau. Et quand on est dans le sec, c'est de sécher un peu. Donc, quand notre capteur est au sec, ah, là, on tombe à beaucoup plus bas. 306, 298, 298. Donc, on pourrait dire que quand le capteur est au sec, on aura environ 300. Et quand le capteur est dans l'humidité, on a environ 380. On est sûr d'avoir 380. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça donne pour le code. Donc, je veux une machine. Je veux une machine qui va réagir. Oh, c'est un petit peu trop gros. Grossir un petit peu. OK. Je veux une machine que si l'humidité baisse en bas d'un certain niveau, disons qu'elle baisse en bas de 350, que la machine, le moteur se mette à avancer, que la pompe à l'eau se mette à fonctionner. Donc, quand c'est trop sec, je veux que la machine démarre. Donc, on a vu que quand le capteur est dans l'eau, le chiffre augmente pas loin de 400. Et quand le capteur est au sec, le chiffre descend pour autour de 300. Donc, dans l'eau, c'est 380. Et au sec, c'est environ 300. On va se servir de cette information-là pour notre code. Donc, on va dire, une fois qu'il a capturé l'information, on va lui demander, au lieu de montrer le chiffre que ça donne, on va essayer de sortir le show number. On va mettre un conditionnel. Et le conditionnel, hop, on a un bon vue conditionnel si ce qui est dans la case est vrai, alors. Donc, je vais dans Logic et je prends le premier en haut. Si ce qui est dans le losange est vrai, alors. On met ce bloc-là. Ensuite, on retourne dans conditionnel. On prend la section comparaison et on prend le premier bloc en haut pour la comparaison. Et on va le mettre dans notre bloc conditionnel. Et maintenant, la première condition, ça va être la humidité. Si la première condition dans notre conditionnel, le premier élément, si la variable humidité est plus petite que, on va dire que, mettons, la variable humidité est plus petite que 350. On avait dit 380, c'est dans l'eau. 300, c'est sec. Fait que 350, ça peut prendre les deux. Donc, on va dire, si l'humidité est en bas de 350, alors, on veut faire avancer les roues. Alors, comment on fait ça? Pour faire avancer les roues sur le motor shield, ben, il y a deux roues. Et pour faire avancer la première roue, il faut mettre un analog right pin. Donc, dans ta section analog, dans ta section pins, tu vas chercher pin ici.
et tu prends le quatrième bloc et tu fais analog write in. Donc les moteurs, on va le mettre au maximum et on va faire analog write to pin 1 to 1023. Ensuite, on va dire au moteur, voici quel fil va être négatif, voici quel fil va être positif. Donc, dans le cas du premier moteur, c'est la pin 12 et la pin 13. Donc, on va mettre la pin 13 digital write. Cette fois, c'est un pin digital. Fait que tu vas dans pins, descends dans pins, dans le deuxième bloc digital write pin. Et tu fermes 2 par le moteur fil. Et il y a une pin qu'on va la mettre positive et l'autre pin va la mettre négative. Et si on, quand on va faire l'inverse, le moteur va tourner sur l'autre sens. Donc, à force, tu dois expérimenter au début quel fil sur le moteur qui va être le fil positif, le fil négatif. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, quand je vais faire digital write pin sur la pin 13, je vais mettre le paramètre 1. Puis sur la pin 12, je vais le mettre paramètre 0. Moi, ça va donner que le premier moteur va avancer. Le deuxième moteur, c'est encore le même principe. Il faut dire à quelle vitesse qu'on veut que le moteur avance. Et le deuxième moteur travaille sur la pin 2. Donc, on fait un analog write pin sur pin 2. Et la pin, si tu mets 0, ça va faire qu'il n'y aura pas de courant qui va aller au moteur. Et si tu mets sur 1023, c'est qu'on va permettre au moteur de prendre tout le courant disponible à la vitesse maximale. Et c'est les pins 15 et 16. Donc, si je mets 15 à 1, ça veut dire que 15 va être le fil positif. Et 16 va être grande en mettant 16 à 0. Et encore une fois, je vais mettre les chiffres à l'autre sens. Il y en a, je vais le mettre 0, l'autre, je vais le mettre 1. Le moteur va tourner sur l'autre sens. Donc, le code dit, si jamais l'humidité... Ah, j'ai pas mis ça à la bonne place. Il faut que je mette ça là. Clic. Il y a un clear screen que j'ai pas besoin. Je l'enlève. Donc, dans mon forever, j'ai marqué que établis la variable humidité comme la lecture analogue de la pin 10. Et l'humidité, la variable humidité vaut moins que 350, alors tu vas mettre le courant au maximum sur pin 1 et le courant au maximum sur pin 2 et tu vas enclencher la pin 13 comme étant le fil positif et tu vas enclencher la pin 12 comme étant le fil négatif de ce moteur. Donc le moteur va tourner sur un sens si tu fais la même chose pour l'autre moteur. Mais là, j'ai peut-être arrêté de dire que le premier coup que l'humidité va être en bas de 350, va décoller le moteur, en fait les deux moteurs, mais il va pas les arrêter. Quand il va avoir fini de faire ce commande-là, il va sortir du if, mais il n'y a pas de commande qui dit arrêter le moteur. Fait que je vais cliquer sur le plus qui est en bas. Là, ça dit else. Et ce qu'il va se passer dans else, c'est qu'on va remettre tout le même code qui est dans le if, sauf qu'on met toutes nos variables à zéro. Donc, sur pin 1, tu vas mettre aucun courant. Sur pin 2, tu vas mettre zéro courant. Et sur pin 13, on va mettre ça à grande, pin 12 à grande, pin 15 à grande, pin 16 à grande. Donc, ça dit que si jamais l'humidité est plus que 350, alors tu mets le courant à ces moteurs. Sinon, tu mets aucun courant nulle part et pas qu'il n'y a rien qui bouge. Et maintenant, on va uploader le code. Et là, ce qui va se passer, c'est que aussitôt que le sensor au sec, les deux moteurs se mettent à démarrer. On va aller voir si dans... Ouais, c'est ça, j'avais mis la bonne fenêtre. Just like this. Maintenant, ça upload. On fait ça upload. C'est long. Que c'est long. On a fait pousser... Que c'est long à cause du logiciel. Si tu as écouté la vidéo jusqu'à présent, si tu as suivi la vidéo complète, je crois après, c'est de faire le like. Donc, si y avait un like aux dernières vidéos, donc je suis qu'une personne qui est rendue jusqu'au moment présent, moi, c'est pas clair. La chaîne est monétisée, devrait être pub. S'il y a de la lutte sur la chaîne, j'en suis désolé. Pas moi, faire l'argent avec ça, c'est menti. Il n'y a pas de pub sur ma chaîne. Donc, enfin, je peux uploader. Si tu veux un like, personne ne vidéo juste ici. Donc, ça veut dire que ça t'intéresse vraiment ce qui se passe sur la vidéo. C'est des fois, les gens, on va regarder le début de la vidéo. On en décroche pour aller voir d'autres choses.
Donc, ça upload. Et on va aider les moteurs à virer, à tourner. Avec le bloc pile. OK. Donc, si on regarde ce que notre robot, comment notre robot se comporte, le robot reçoit l'information sur son capteur. Et ici, on va y mettre les becs dans l'eau. Tu vois, quand le robot, quand le capteur est dans l'eau, le robot arrête. Oh, c'est la sécheresse! Il a redémarré. Pourquoi il a arrêté? Ah, c'est la pile qui commence à faiblir. On met le capteur dans l'eau. Ça arrête. Sort de l'eau, ça tourne. Capteur dans l'eau. Ça arrête. Sort de l'eau, ça tourne. Et la vitesse pour la... Pourquoi ça va aussi lentement? Je crois que c'est mon bloc pile. Mon bloc pile qui n'est pas chargé. Zut. Eh oui, mon bloc pile qui est en panne. Hélas. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Déjà 21 minutes. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris? Ben, on a appris qu'un robot, pour être considéré comme robot, il faut remplir trois conditions. Obtenir de l'information, être capable de chercher de l'information dans son environnement. Avoir un robinet. Il tient un robinet à bout de bras, là, puis il dit, hey, s'il y a quelque chose qui va activer ce robinet-là, il va être capable de le détecter. Et faire des calculs, bien sûr. Utiliser ces informations-là pour réagir à son environnement. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Hein, Minou? Minou qui a été avec nous autres pendant toute la durée de la vidéo, c'était lui le caméraman. Bon, et salut, à la prochaine. À bientôt.